Voici une conséquence du principe fondamental de l'hydrostatique qui n'a pas d'application pratique utile, mais qui peut être une expérience amusante. Elle porte le nom de crève-tonneau de Pascal. Elle fut en effet réalisée par ce grand savant. Le principe est très simple. Il a placé un tonneau au niveau du sol et il a positionné à l'intérieur de ce tonneau un tuyau très long qu'il a rempli progressivement de liquide. Si la hauteur de liquide est suffisante, la pression en bas du tuyau, compte tenu du principe fondamental de l'hydrostatique, vous comprenez bien que plus cette hauteur de liquide est importante, plus la pression dans le tonneau va être importante. Si la hauteur est suffisante, on peut arriver à avoir une pression telle à l'intérieur du tonneau qu'il éclate. Et c'est ce qu'a fait Pascal. On le voit ici juché sur son échelle, remplissant le tuyau qui fait éclater le tonneau et verser l'eau partout.